Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada. On est avec Katox toujours, salut Katox. Salut. Et du coup on est en train de se poser la question, donc on s'était quitté sur le massacre d'étoiles solitaires, il fallait qu'on fasse l'opération spéciale. Et on disait que ça faisait chier de perdre un tour à aller gérer le chaos là, donc on va peut-être l'annuler tout simplement, parce qu'on n'a pas de flotte disponible pour s'en occuper, même si on pourrait en créer une en même temps, mais bon, on est quand même déjà pas mal en négatif dans la thune. Ouais, autant. Autant garder une flotte à créer pour poser sur un blanc de krill ou une connerie du genre. On aura ouais, ça sûrement autant la tiré. garder en save, on a déjà suffisamment de flotte. C'est ça, il y a même un banc de krill à Takabi, donc on pourrait poser une flotte là. Alors là où on a un petit peu été gourmand, c'est qu'on a envoyé nos deux flottes de gestion à Eidolon et du coup elles sont bloquées là quoi. Mais ça devrait pas durer longtemps. Normalement. Bah du coup je pense qu'on peut passer le tour, hein. De toute façon on a un autre à faire. Ouais. La Nos meilleure chose à flottes faire, c'est attendre. à l'étoile solitaire vont se gérer de toute façon. Elles vont se réparer et on pourra faire l'opération dans la foulée. Bon, j'ai pas annulé du coup le truc, mais il faut que je fasse, faut que je le fasse là. Bah si tu l'oublies, on l'aura la flotte. Oui, bon, au pire on ira la tataner après quoi. Putain, ils vont perdre tellement de flottes avec les flottes Vanguard quoi. Attends, Bah là, ils vont se faire ramasser. on va massacrer instantanément quoi, peut-être 8 ou 7 ou 8 000 de puissance de flotte quoi. C'est abusé. Il faudra aller voir le petit changement de couleur. Qu'est-ce que ça va être beau? Ouais, ça c'est clair. Ah oui, c'est vrai, ici il y avait un gros assaut là. Ah, et c'est le. Ah, c'est Imperium qui remporte la victoire. Il a Se souffert, maintient. mais. Ça nous laisse une petite opportunité. Au moins, raison de plus pour pas perdre de temps avec, avec le Ouais. chaos. Et voilà. Alors. On a converti l'œil de la terreur. Eh ouais, ça commence à être sympa là. Donc là, Et on a sachant massacré que. un paquet de monde. Sachant que au tour prochain, il y a deux planètes qui tombent en plus. Ouais. Alors je regarde un peu du coup ce qu'on peut fabriquer. Est-ce qu'il y a des endroits avec des. On pourrait construire comment, des chantiers. Là on pourrait construire des chantiers. Il y a un amas de planétoïdes. Bah oui, on va clairement le mettre là le chantier. La question ne se pose pas. Ici on va foutre un petit bassin. Ici on va foutre un petit bassin. La plainte de la peste, un petit bassin de valorisation, ça leur apprendra. On va recycler les virus. Exactement. Tout est recyclable, tout est dévorable avec nous. Bon, et du coup comme ça, on va pouvoir commencer à remettre des vaisseaux dans nos flottes qu'on a un peu encaissé là. Ensuite, le monde sentinelle, donc le machin là. Donc là, nul, on est d'accord. Hein. Les 1900 du Oh. chaos, hop, voilà, bisous. Moi, c'est la meilleure affaire. Ils sont perdus dans le warp. Bon, en même temps, bah, ils se sont fait dévorer en même temps que les planètes. C'est ça, exactement. Leur plan de. Leur base opérationnelle ayant été capturée, ils se sont perdus. Et puis, bah, on peut lancer l'opération spéciale, qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pas mal, Allez. voir un peu ce que les Nécrons ont dans le ventre, là, depuis le temps qu'on essaie de se les. Ouais. Pour s'échauffer, une petite opération spéciale. Alors il y a moyen que la bataille nous prenne quand même toute la partie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut engager? On n'a pas un autre petit dévoreur? Si, on a un autre dévoreur là. Hop, c'est parfait ça. On met un petit. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pourquoi j'ai une flotte ouverte derrière? Waouh, waouh, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci. Appel au combat. T'as un petit bug. Je vais attendre que tu sois dessus parce que visiblement quand j'ouvre l'ordre de déploiement ça fout la merde. Donc du ouais, coup je on a tout dit. À De quoi? Ouais, je l'avais tout à l'heure. Ouais mais en fait quand Ah t'es bah. rentré dedans j'étais sur l'ordre de déploiement et ça m'a ouvert une flotte derrière, enfin c'était assez bizarre.
Tu sais, quand je scrollais, ça zoomait et dézoomait sur un vaisseau derrière. Comme si j'avais la flotte, l'aperçu de la flotte ouvert. C'était assez particulier. Donc on va plutôt prendre deux comme ça. La grosse chaussure. La pourriture 627, ça me paraît bien. Et le pourfendeur des festins qui continue de ne pas mourir, hein, qui résiste. C'est une petite fierté. Mmh. Je crois que c'est notre dernier croiseur léger. Ou croiseur ? Non, je crois que c'est un croiseur léger. Il est tout petit. Un truc qui est sûr, c'est qu'on a plus d'escorteurs. Ah ça oui, par contre. Les escorteurs... Ouais, dans les autres flottes encore, je peux voir l'intérêt, mais alors les tyrannides... Ouh, c'est beau ça. Ah, c'est comme ça. Ah ouais. Eh ben on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en face? C'est quoi? C'est des petites tourelles? Putain, il est immense ce champ de bataille, je me traîne à me balader dessus. Ok, c'est des petites tourelles à droite à gauche. Bon, pourquoi pas. Alors, on a un truc qui dévore ici. Alors, le pourfendeur de festin, je vais le prendre. On a un autre dévoreur ici. Le bedonnant un débonnaire. Et ensuite, les vaisseaux amiraux. Putain, ça pète les yeux, la planète verte en dessous, là. Vache. Ah ça, si t'aimes pas l'électro ou les rêves parties, c'est vrai que ça pète les yeux. Et en fait, avec les vaisseaux qui sont en transparence, là, ça fait assez bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un boulet de démolition et un rôdeur du vide, ou un boulet de démolition et une carapace à pointe? Ah bah, je te laisse la carapace à pointe, je pense. Le meilleur. Juste non. Le meilleur. Normalement, on a 3 vaisseaux chacun. La stratégie à appliquer? Bah, je sais pas trop quel va être l'objectif, donc j'aurais bien envie d'avancer un peu prudemment, genre vers les tourelles, et puis d'essayer d'en buter une ou deux si on peut. Okay. Il va sûrement y avoir des trucs, genre, et des gens qui vont apparaître, des nains dans les nébuleuses, ou des conneries du style, je pense. Ouais, mais alors ce qu'on peut faire, c'est... Avancer léger. Ouais, je pense qu'il vaut mieux pas rusher. On va avancer peut-être jusqu'au niveau des... Ah bon, bah, faut détruire les... Ok. Bon bah comme ça au moins, simple, efficace, il faut détruire les plateformes. Donc du coup... C'est tout ? Non, il y a quand même décruisé le Dark Throne. A mon avis, le Dark Throne, il doit piquer. Il doit piquer un peu, ouais. Comme tu dis. Est-ce qu'on a des sons, quelque chose ? Non, on a que dalle avec cela. On est purement sur du gros bourrin. Par contre, il y a quand même quelques petits escorteurs dans le tas, donc ça devrait aller. Je propose de s'arrêter ici et de les laisser venir. Comme ça, on n'a pas les tourelles qui viennent nous emmerder. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire tout à fait les tourelles après. T'as pas tort. Parce qu'après, je peux envoyer des torpilles de très loin pour en faire des assauts, mais ça va tellement se disperser que... Putain, j'arrive même pas à sectionner la tourelle, sérieux. Elle est là. Structure plateforme de défense. Are the defense platforms operational? Indeed. The tremor cannon also stands ready. Oula. I give the order. Ah. Celui-là, je le sens pas par contre. Ah, ça sort, il me vise. Ça sent la grosse saloperie comme les Eldar là. Ah putain, le fumier. Ok, bon bah changement de plan, on charge. Hein. Ouais, ce qu'on va faire, c'est avancer tout droit. Je vais me rabattre vers toi. Il y en a un qui est bien devant qu'on va pouvoir défoncer là. Ouais. C'est un escorteur. J'ai pas mis de numéro à mes vaisseaux, c'est pas bien. Bonjour, il est où? Ah bon. Tu se téléportes dans tes mâchoires quoi. Bon, ben voilà, c'est bien. Bon bah du coup faut garder la poussée sous le coude pour éviter ces putains de tirs là. Ah, y'en a un autre qui est là. Ah putain, le fumier. Là, ça commence. Demi-tour. Là ça va passer. Ah putain, il m'empêche de te rejoindre quoi, le petit salaud.
On va essayer de rejoindre Katox le plus vite possible. Hop, on va leur balancer une petite rafale à eux. On va les forcer à bouger un peu. Putain, ils me voient de super loin, la vache. Ah, mais il y a un petit fumier juste à gauche là. Ah, cool. Les torpilles ont bien fait le taf, ça fait plaisir. Oh. Ah, oups. J'ai pas vu qu'il était dans le coin. Mais bon, alors on devrait pas sa pointe, on sera pas perdu. On devrait l'esquiver assez facilement. Alors là, il y a quoi? Le Regal Devastation, ok. Regal Devastation, on va vous balancer tout ce qu'on peut dans la tronche. Le petit fumier. Assaut. De la place toi. Je suis en train d'en croquer un. On va croquer un deuxième. Je vais passer sur la plateforme à l'arrière. Attention. Pour fondeur des festins, il a pris cher là. Ah putain. Ça a pris. Tu veux un coup de main? Non non c'est bon, c'est juste qu'il y avait un. Non, je peux aller croquer le régal Devastation si tu veux. Non non non, je m'en occupe, mais c'est le c'est les saloperies de tirs de canon là, qui m'ont pris par surprise. Je suis sur le dernier canon de mon côté et puis je me replierai. Je préfère rester groupé au cas où les petits fourbes que je n'aurais pas vu. Ouais, moi je vais devoir me calmer avec les guerriers. Bon, il a 20 assauts sur sa tronche, normalement ça devrait suffire à le finir. Ouais, je pense qu'il fera pas long feu. Ah, attention les canons. Putain. Alors, 24 assauts, on va commencer à faire demi-tour. Sur quoi il tire lui? Ah non, sur personne, pardon. Voilà, une épave à la dérive, ça c'est fait. On va laisser le petit pourfendeur des festins à l'arrière lui tirer dessus pour le finir tranquillement. On va aller s'occuper de cette tourelle. Tu t'en sors de ton côté, c'est bon hein? Oh ouais, je vais manger la dernière tourelle bientôt. Hop, voilà, bon appétit. Ah waouh waouh, abord, abord. Moi, il y a mon vaisseau amiral, il tire en rafale, mais il loupe tous ses coups. Il va se prendre un coup. Bon. Un coup, mais pas deux, c'est déjà ça. Bon, alors par contre, ouais, je peux pas trop le laisser tout seul derrière lui, parce que ça veut dire qu'il faut que je surveille qu'il se prenne pas des tirs de canon, ça va être un peu casse-couille. C'est quoi, c'est sinon tu le replies, hein, s'il sert plus à rien. Ouais, bah je voulais le laisser là en fait pour qu'il termine le régal de dévastation, histoire qu'il se fasse pas reprendre, mais bon. D'un moment. Alors si je te replie tu vas par où? Au bout d'un moment il va déclencher ses moteurs warp je crois, non? Bah peut-être, je sais pas. C'est le vaisseau amiral hein, donc ils veulent peut-être pas le perdre. Bon ouais, je vais finir la tourelle et puis j'irai le finir à la main au pire. Bah sinon c'est moi, je vais revenir vers lui. Tu reviens vers lui? Ouais bah ok. Attention, coup. Il y a un coup de canon. Ouais justement. Hop là, je vais finir la dernière tourelle du coup. Si j'arrive à la voir, voilà. Cela dit, il est caché, alors je sais pas s'il peut me tirer dessus en étant caché. Mais c'est pas lui celui qu'il fallait qu'on détruise là. Non, mais on a dit quand tu détruis la tourelle, il y aura une autre vague. Ouais, sans doute. Il faudra peut-être la peine de réfléchir à bien replacer tout ce qu'il faut avant de détruire la tourelle. Non, on va la buter. Tu vas t'occuper du truc, je vais revenir vers toi en speed. Pas de stress. Hop, attention les coups de canon. Ouais, je les esquive doucement. Allez, demi-tour.
où sont nos alliés et nos vassaux? Bon, bah, ça va. Je me ressens dans la nébulance, dans la nébuleuse au centre. Ouais, pareil, j'y vais aussi. Ah, bah du coup, je vais m'occuper de... C'est quoi ça? Je vais m'occuper de ça avec le vaisseau qui est en train de se replier. Ah ouais. Ouais, c'est la zone de largage. Ça ouais, tombe bien, j'ai un vaisseau de ligne juste à côté. Bon, bon, du coup, on va dépouiller le petit escorteur en speed là. Il va se prendre deux rafales, il va mourir. Excellent, on a détruit leur canon quoi. Ça c'est la classe. Il y en avait trop. On avait 6. Les grandioses catacombes. Carrément, la garde personnelle et tout quoi. D'accord. C'est bien, la garde. Hop. Ouais, ouais, j'ai vu. Ouais. Hop là. Ça c'est fait. Bon, j'ai replié le vaisseau. Non, pas encore. Ça y est, il est replié. Voilà. Ah, on dirait qu'il commence à paniquer. En plus ils se moquent entre eux, tu sais quoi. Il se fait taunt. Ah tiens, je sais pas qui c'est lui, mais en tout cas il aime pas. Non mais il s'aime pas entre eux. Tu vas crever, foutu vaisseau. Ah c'est là. Ouais, ça va être un peu plus tendu. Ouais. À moins que on ait un renfort qui soit arrivé, non pas encore. Je vais quand même tenter avec mon cuir. Merde, putain, ce con il a foncé dans le. Le fumier. Le cairn, je l'ai ouvert en deux. C'est... Ouais bon c'est mort du coup, j'ai dû cramer mes points un peu trop dans la précipitation là. Peut-être moyen que j'y arrive. Bon, je te laisse la main du coup. Bon, lui il va se faire voilà. Dépioter. Il s'est fait croquer quoi. Ah. Le cairn aussi. Je vais me recentrer un petit peu. Pareil. Je vais utiliser mes poches de frais, comme ça je refais toutes mes troupes. Ouais, moi j'ai merdé avec mon vaisseau de ligne là, je l'ai mal foutu. Et du coup j'ai chargé dans le cul du cuirassé. C'était un peu con de ma part. Attends, une perte par rapport à tout ce qu'on leur a abattu. Oui, ça va. Une perte, un repli, on va dire quoi. Ouais, ça. Bah, celui qui va prendre le point, là, j'hésite à le replier, ce qui est quand même relativement mal en point. On va le prendre de justesse. Hein. Ouais. What? C'est tout? Non. C'est sérieux? Et c'est quoi le machin truc, générateur truc là? Le Dark Throne. Bon. En fait, on n'est pas censé prendre les points, c'est ça? What? Oh, c'est décevant, quoi. Et oui.
Et donc, Et c'est tout. on les a tellement empêchés de lancer leur flotte qu'il s'est rien passé, quoi. Je Bon, m'attendais à une bataille épique qui allait durer les 30 minutes d'épisode, mais même pas. non, c'était juste une bataille avec quelques renforts supplémentaires. Ouais, Et ils bah se trouvaient entre eux. j'imagine que si on n'avait pas pris les points, on se serait fait sacrément dépouiller, mais bon, là en l'occurrence, franchement, c'est vraiment de la merde. Hein. Even the Necrons, master of the galaxy of yore, could not prevail. Those that did not retreat beyond this meager dimension were destroyed. Et ouais. I've received report that the Necron presence has been eliminated, consumed by the Tyranid onslaught. If their ancient menace could not stand, it bodes ill for mankind's survival. But we will fight on. We will learn the lessons of defeat and emerge the stronger for our labors. The Imperium shall survive. In my father's name, I swear it. Bon. 1800 points de renommée, c'est propre. Un point d'amélioration cadeau. Et la menace Necron passe à 0 partout. Yay! Il n'y a plus aucun Necron sur la carte. De toute façon. Bah, il y en a un qui est en train de lancer un assaut, mais on va l'accueillir gentiment. Ah, le drame des Necrons, quoi. Bon, bah, c'est cool, on va pouvoir mettre un point. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Escorteur en mode furtif, ça c'est de la merde. Champ de sport avec une portée d'identification, ça c'est pas mal ça. Ouais, surtout qu'on les utilise beaucoup. Ouais, et du coup, vu qu'on a ce point gratuit, on va pouvoir monter jusqu'à cortex dispersé. Les modes peuvent être utilisés même si le pont est détruit. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est bien ça. Allez, prenons ça. Hop. Voilà. Bon. Bon bah oui, hein, petite déception quand même, je pense qu'il faut le dire. Au tour prochain, on complète le déploiement. On peut pas les bouger, les vaisseaux qui ont fait le combat. Non, ils sont à zéro. Non, mais je suis en train de regarder comment on fait pour aller à Agrippa là. Ah, c'est depuis Shinchari, ok. Bah je vais replier un... Ouais. La flotte qui est en pleine forme, je vais l'envoyer direct à Reznor pour qu'elle se prépare. Bah tu peux les faire toutes se replier pour se réparer. Et après on les TP tous dans... Enfin, celles qu'on veut dans Eidolon via les escaliers de Linia. Ouais, mais j'enverrais bien une flotte à Finretz là, pendant que l'Imperium s'est fait défoncer là. Ils ont plus que deux flottes à 200 toutes dans le mal. Ouais, bah c'est vrai. Ouais, mais en même temps, on peut s'y taper, je suis con, il y a un signal du patriarche. Je pense qu'avec notre flotte à 800, on est capable de les gérer. Hein. Bah, en théorie, oui. Après, si ils t'alignent de très très loin avec des gros vaisseaux, parce qu'ils avaient des gros vaisseaux, mais ils ont juste plus de vie. Ouais, c'est l'Imperium, hein, c'est pas le chaos. Allez, on va tenter. Ah, puis il y a une petite ciné en plus. The Forge World Agrippina itself would have fallen millennia ago, but for its formidable defenses, now bolstered by the Cadian diaspora. Even with Cadia lying in ruins, its scions stand firm beside Agrippina. And it is well that this is so, for the world's technological wonders have proven an irresistible lure to Chaos Warpsmiths. The Agrippina sector is a linchpin in the Cadian Gate's defenses, a laboring manufactorum that feeds nearby worlds with weaponry and much-needed munitions. Wealth abounds within its borders. And it supplies the Astra Militarum with many of its finest regiments. Tiens, c'est marrant, pour une fois, c'est... Ce monde usine, il fait un peu... Enfin, il fait très lisse, quoi, par rapport au gothique habituel. Bon, bah... Puisque les Necrons n'ont pas été à la hauteur, hein, on va s'occuper d'eux. Tain, il leur manque même un amiral, quoi. Et en plus, on peut baisser de 3 l'Imperium, le niveau de morale de l'Imperium. Dans le niveau de menace. Ça peut être cool, ça. À mon avis... Il a même plus de... il a même plus de... De général sur une de ses flottes.
Ouais, il lui manque un général. C'est pas lui qui va remonter le niveau des Nécrons, je pense. Non, faut pas dire ça, on peut être surpris hein, quand même. J'aime bien la bande sonore de ce jeu quand même, elle est sympa. Alors... Ah bah non, tiens, on a encore un petit croiseur léger là, un dévoreur, je te le file du coup. Il y en avait un autre, un dévoreur, non? Il me semblait... Ah oui, la fin des haricots, bah non. Ah non, bah du coup je vais te filer l'amiral, pas de soucis. Je me suis guré, je t'ai filé le glavio vivant, je crois, ou... la fin des haricots, ça devrait être pour moi. Je peux le reprendre, ah bah je peux le reprendre, comme un grand, parfait. Ouais. Je te laisse l'amiral du coup. Hop, bon, on va faire la technique classique, on va tout droit. Oui, surtout que là je pense que ça va être du massacre de trucs un peu endommagés. On a beaucoup quand même. Eh ouais, ils sont nombreux. Je sais pas si t'as des champs de sport ou quoi que ce soit. Je crois qu'avec le glavio t'en as un. Non. J'ai boulet de démolition et rôdeur du vide. Ah oui, j'en ai fait pas mal avec cette compo. Faudrait que je reprenne quelques. Quelques petits champs de sport. Surtout que maintenant il y a des... certaines auras de détection. Bah ouais, justement. Bon, y'en a un qui trace devant, c'est un escorteur, très bien. Derrière, c'est un truc un peu plus gros. Hop, voilà. Ah, y'a quand même encore pas mal de gros vaisseaux, hein. J'ai vu qu'un seul escorteur dans le tas. Par contre, j'ai de la flotte. Ok. Toi t'as juste des tentacules, t'as des tentacules et des vaisseaux. Ok, très très bien. Bon, est-ce qu'on charge ou est-ce qu'on les attend un peu? Bon, on avance. Ouais, hein. Que le contact se fasse ici ou après. Ah, il passe en mode furtif quand il s'approche de nous. Hein. Les petits coquins. Donc il y a un escorteur quelque part sur le chemin là qui fait son malin. Comme d'hab, il fera pas son malin longtemps. Je vais leur envoyer, faute d'avoir mieux, une petite escadrille de chasseurs. De toute façon, ça se tend, ça se recharge vite sur ce vaisseau là. 50 plutôt propre. Ah, j'ai entendu un dong de sonde. Mais non, je veux voir le niveau de détection de ces cons. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, ouais. C'est pas moi, il t'a posé une bombe ou un truc du style là. On se casse! Ah, ouais, bon, ils sont complètement dans le mal quand même. Hein. Ouais, mais ils sont quand même beaucoup. Ils sont beaucoup, c'est sûr. Alors l'autre il balance des torpilles. Je sais pas pourquoi. Il va se faire ouvrir en deux mon vaisseau là. Ah bah c'était un croiseur léger hein. Il ne mourra pas. Ah, Cassos. Il a perdu sa pince. Oh, ok, d'accord, casse-toi. Va-t'en, fuis. Bon, un de moins. Hop. Ouais, il reste énormément d'escorteurs quand même. On va les défoncer. L'autre il a 12 assauts sur sa tronche, on va lui en balancer un autre encore. Pour le plaisir. Boum. Et de 1. Ah là il y a le mec là-bas à buter là. Ah il m'a fait un assaut. Alors attends. Je sais pas si t'as le cas de me faire un assaut sur la gueule. Ah ouais non, j'ai plus de charge. Désolé. Il va mourir. Et lui, il faudra faire quoi?
Ah, il faudra le laisser. Faut le détruire. Hein. Ah, détruire. Oh, ça, ça va. On connaît. Alors attends, je vais envoyer une flotte de, d'assaut au mec là-bas, histoire de... d'essayer de lui péter sa tronche, afin de récupérer son plan avant qu'il meure. Dans 3 secondes, je peux lui en envoyer une. Bah il a pas l'air de vouloir mourir tout de suite, hein. Bah non, parce qu'on a tous, on lui a tous tourné le dos, donc on lui tire plus dessus, ça y est. Bah, il perd de la vie quand même, hein. Il va mourir avant qu'on... Ah non. Ouais, je sais pas où sont passés mes vaisseaux, ils ont dû se faire dépouiller par les tourelles de l'autre, là. Chier. Parce que là, sauf à désactiver toutes les armes, je sais même pas si on peut faire. Si on peut faire, cesser le feu. Bon, je te le laisse, je vais essayer de lui faire l'assaut et puis de lui faire la peau. Ok, bon, cesser le feu. Hop. Ah, il essaie de se désengager le fumier. 3, 2, 1. Si je fais ça, ça l'annule. Ah, si je lui mets une tentacule, ça l'annule, excellent. Ah! Il non, est mort il... juste avant que je chope les plans! Tant pis. Oh, c'est pas grave. Hein. Bon, bah, on se souviendra qu'envoyer un croiseur léger en éclaireur, c'est à peine aussi efficace qu'un escorteur. Hein. Bon bah c'est propre hein, on a au moins fait l'assassinat. Ouais. Bien. Et on a gardé le croiseur léger. Et ouais, on l'a, il a survécu. Alors du coup on peut mettre directement un truc. Ah, il y a un amas de planétoïdes. On va mettre ça direct. Ça permettra d'avoir un bon point de... un bon pied dans le système. Puis vu qu'ils ont perdu un petit peu de niveau de menace, ils vont pas bouger tout de suite je pense. Bien, 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 bien. Bon, bah, on va pouvoir se tourner tranquillement vers Eidolon, du coup. Mmh. Donc, faut qu'on passe le tour pour récupérer des points de mouvement. Ici, on va encaisser les Nécrons, ça devrait aller. Et après, on va faire un tour là-bas. Est-ce qu'on a un peu de quoi construire? Non, on vient juste de construire le chantier, donc il n'y a pas de quoi recruter encore. Bah, du coup, on peut peut-être arrêter cet épisode-là. Parce que bon, finalement, on a quand même buté les Nécrons dans cet épisode, c'était pas si mal. Et presque, on a chopé la moitié du chaos, sans même y foutre les pieds. C'est ça. Donc je pense qu'on est plutôt bien parti pour ce truc-là. Donc on va arrêter cet épisode-là, et puis bah écoutez, je voulais vous remercier de toujours suivre cette série, parce que vous êtes toujours nombreux à suivre, ça fait bien plaisir. Elle est longue, mais franchement, on s'éclate bien, il y a encore plein de trucs à faire, et ça fait plaisir de voir que vous suivez toujours. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.